Aujourd'hui, on va parler de l'adoption de Théo. Au moment où on cherchait un chien, on ne savait pas exactement quelle race on voulait. Et puis sur Internet, on est tombé sur la photo de Théo. Ils ont eu une portée de 8 bébés et un seul d'entre eux était roux et blanc. Et donc, on les a tout de suite contactés. Est-ce qu'il vous reste encore le roux? Il est super beau. Ils nous ont dit que pour l'instant, il était disponible, mais qu'il était très à la demande. Donc, 2 minutes plus tard, on est parti, on est allé chercher et on l'a pris. La seconde où on l'a vu dans sa petite cage, on est tombé en amour avec Théo. Je pense qu'on l'a pris dans nos bras pendant des heures et des heures. Et 2 semaines plus tard, on l'a ramené à la maison. La première journée s'est super bien passée, il était parfait. Et dès la deuxième journée, pas du tout. Il a absolument tout détruit. Faut que tu te calmes. Il fallait le retenir pour pas qu'il mange tout ce qui bouge, tout ce qui respire, ou même tout ce qui respire pas, mais il n'y a pas de critère, oui, il mange tout. Et aujourd'hui, on est là, 5 mois plus tard, et il est toujours aussi fatigué. Mais malgré tout ça, c'est quand même l'amour de notre vie, à moi et à ma copine. C'est mon fils, c'est mon fils. Et aujourd'hui, je me verrais pas vivre dans mon appartement sans lui. Ah ouais, je te fais chier à ce point-là.